Musique, enfin, pour terminer ce journal, du hip-hop, un style qui a beaucoup de succès chez les jeunes, les moins jeunes. Hier, la Salle Atlas à Alger a vibré au rythme des sonorités du hip-hop. Le groupe new-yorkais Chen Lo and the Liberation Family a animé un méga-concert. Delilah Bondou était présente. De l'énergie à revendre, des vibrations et du rythme, la Salle Atlas à Alger a vibré au son de la musique hip-hop. Un concert exceptionnel du groupe new-yorkais Chen Lo and the Liberation Family. Un groupe qui vient directement de Brooklyn, le quartier noir de New York. Première visite en Algérie, Chen Lo and the Liberation Family est ravi de se produire sur la scène algérienne. C'est une première visite pour nous en Algérie et c'est avec une grande joie que nous nous produisons sur scène. Une joie partagée par le public majoritairement jeune, puisque le hip-hop reste la musique des jeunes par excellence. Une musique controversée qui s'inscrit à la fois dans la continuité et la rupture de la musique noire américaine, jazz, blues et rap. Un moment de pur bonheur pour les jeunes adeptes de cette musique. C'est vraiment un plaisir, nous les remercions vivement. Nous avons vécu des moments exceptionnels avec ce groupe. C'est vraiment formidable. C'est un régal. Nous avons découvert un public algérien extraordinaire, un public merveilleux et passionné, un public exceptionnel de par le monde entier. Le groupe new-yorkais Chen Lo and the Liberation Family intègre dans son travail la texture d'une instrumentation live en s'appuyant sur la basse et la batterie. C'est ce qui fait sa différence avec les autres groupes de hip-hop. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi une excellente suite des programmes sur notre chaîne Canal Algérie. Bonsoir.